On est super bien placés. T'as eu du piston pour obtenir ces billets pour le concert des ex-girls? Non, figure-toi qu'on les a eus par Vera. Scooby-Doo, je vois plus rien. Scoob! Mais qu'est-ce qui lui prend? Il m'en veut d'être allé à la fête de l'école plutôt que d'avoir regardé l'intégrale des films de Van Gogh avec lui. Ex-girls, écoutez-moi attentivement. Vous allez connaître 1000 tourments. Ceci sera votre dernier concert, sans rappel, si vous ne voulez pas endurer des souffrances éternelles. Parole de fantôme. On n'a d'ordre à recevoir de personne. Qu'est-ce qu'on fait, Scooby-Doo? Tous les habitants de la ville sont devenus des zombies du Sky et on doit les sauver. En plus, on connaît absolument rien à la musique, mon vieux Scooby. Et nul, mais on connaît des gens qui connaissent. Les ex-girls! Sammy, t'es sûr que c'est une bonne idée? Oh, Scooby-Doo, on va torpiller une soirée privée sur le yacht d'Anabab. Et ces choses-là, ce sont les meilleurs déguisements qu'on ait jamais vus. Bonsoir, nous sommes les ex-girls et on va vous mettre le feu. Les voilà, allez, viens. 2, 3, 4. Rude Boy et les Skatastiques reviennent d'entre les morts, c'est du lourd. Dites donc, vous avez changé vos tenues de scène ou quoi? Certains de nos fans préfèrent nos costumes d'origine et... Notre hôte est riche, super riche. Enfin bref, tu as dit quelque chose à propos de zombies atteints d'une maladie dansante, ça a l'air plutôt sérieux. La seule chose qu'aurait raison d'eux, c'est l'accord de puissance ultime. Et vous savez comment ça se joue? Avec les ex-girls, il y a toujours de la magie dans le rock, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais, musique battle, musique battle. On peut mettre nos peintures de guerre, on peut. Oui, les peintures de guerre, d'accord. Si vous pensez que c'est utile, moi ça me convient très bien. Allez, on est parti. Vincent vit là-dedans? Seulement durant l'hiver, c'est un oiseau migrateur. Et je dirais plutôt que c'est un oiseau de nuit. C'est étrange. La porte est ouverte. Allez, allez les amis, on va aller. Non, on va suivre Daphné. Elle va nous montrer le chemin. Non, pas question. Ah ben, je suis d'accord avec toi, Scooby-Doo. Il est hors de question qu'on entre dans ce vieux manoir effrayant. Moi? Très bien. Dites les garçons, contre quelques crocs Scooby, ça vous dirait d'entrer? Pour un, tu commences avec un. Après, on commence à négocier. Et on peut savoir où vous avez appris à négocier? Avec Flim Flam, bien sûr. Flim Flam? Oui, c'est le petit débrouillard qui chassait les 13 fantômes avec nous. Il est pas très grand et c'est lui qui nous a vendu toutes les babioles qu'il y a dans le garage. On vous en a jamais parlé? Vincent Van Spectre, le coffre fantôme, sans parler de la Miss Tory Machine. Et maintenant un autre membre de notre équipe. Il y a plein de choses dont vous nous avez jamais parlé. Excuse-moi, je crois qu'on était en pleine négociation. Bon écoute, je vais vous proposer un croc Scooby. Vous allez en vouloir 3 et on se mettra d'accord sur 2. Alors évitons de perdre du temps. Ah ben c'était la négociation la plus facile de l'histoire. Merci Daphné. Moi c'est Fred, pas Daphné. Thank you.
manoir vide me donne la chair de poule. Et pourtant, tu as dit que tu ne croyais pas aux esprits. Oui, mais je crois aux gens qui manquent d'esprit. L'endroit a l'air désert. Si Vincent est parti, il a peut-être laissé un indice sur sa destination. Eh ben, c'est baronneux. Scoob et moi, on va chercher dans la cuisine, la réserve et le snackatorium. Le snackatorium? Je suis convaincu que ça existe. Où est passé ton sens de l'aventure? Tu ferais mieux de garder un œil sur ces deux-là, juste au cas où. Ça marche. C'est quoi, ça? Tiens, c'est étrange. Je me demande si... Oh? Ça signifie quoi, à ton avis? C'est une sorte de téléphone. Vincent nous a contactés grâce à cette boule de cristal, ce qui veut dire qu'il doit forcément en avoir une lui aussi. Donc, peut-être que... qu'elles agissent comme des balises. Les deux boules de cristal sont connectées entre elles. Donc... donc tout ce qu'on a à faire, c'est aller dans la direction où elles brillent pour le retrouver. Je croise les doigts. Allez, en route. Non, non, ah, désolé, c'est désolé, ma faute. C'est ma faute. Non, 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 toi, passe devant, je te suis. Sammy! Des filles? Oui, des filles! Salut! Ça va, les filles? Salut! Je crois qu'on les a semés, Scooby-Doo! Transforme-moi en rockstar. T'es sûr que c'est vraiment ce que tu... C'est sûr. Moi aussi, vous pourriez m'habiller en rockstar ou... ou je vais me débrouiller toute seule. Oui, bonne idée. C'est bon, j'en ai marre d'avoir peur. Là, je crie à la face du monde que j'aime les pièges et aussi Daphné. Tant pis si je ne suis plus un homme. Daphné, j'arrive! Daphné, où est-elle? Il faut que je lui parle, c'est urgent. Il n'y a plus de Daphné. Appelle-moi Silex. Je n'ai pas le temps de jouer, mademoiselle. Où est-elle? Fred, c'est moi, voyons. Hein? Oh! J'ai un truc à te dire, alors. Écoute-moi bien. Tel que tu me vois, je ne suis plus un homme. Pardon? J'éprouve de l'affection. Je ressens des choses. Ça ne se voit pas. Non. Ne monte pas sur scène demain soir, c'est trop risqué. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Je veux continuer, quel que soit le risque. Les filles? Mais enfin, Daphné! Je m'appelle Silex. Et Fred, au plaisir de ne pas te revoir. Dis donc, c'est bien la première fois que je te vois rembarrer, Fred. Surprenant. Est-ce que ça va? Franchement, non. Mais je t'aime de tout mon cœur. Oh, tu ne dirais pas ça si tu savais ce qui se tapit au fond de moi. Je suis sûre que si, je t'aimerais malgré tout. Même si j'avais une tête de lézard. Si t'avais une tête de lézard, eh bien moi je t'aimerais quand même, Scooby. Oui, moi aussi je t'aimerais. Tiens, encore une bouchée? Ah oh bah votre carrosse, c'est un corbillard. Oui, j'adore rouler à tombeau ouvert. J'avais pas vu qu'il pleuvait. Ah, il pleut toujours autour de chez moi. Des effets spéciaux. Je les ai fait installer il y a des années. Je ne peux pas dormir sans. Wow.
superbe. Bienvenue au palais Van Ghul. Oh, seigneur, j'allais oublier. Nous sommes protégés à présent. Protégés? Et de quoi? De choses. Qu'ouis-je? Quelqu'un a dit les monstres arrivent. Mais j'ai pas entendu ça. Non, 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 c'est une réplique d'un de mes films. Oublions cela, passons à table. Elle est vraiment géniale, cette fondue. C'est délicieux. Je suis enchanté de vivre cette charmante soirée après toutes les choses étranges qui ont eu lieu dans cette maison. Ah ben, genre quoi? Bon, je préfère ne pas en parler. Bon, très bien. Il y a quelques jours de cela, j'ai eu l'étrange impression que je n'étais pas seul dans cette maison. Il y a d'autres êtres ici, des créatures tapies dans l'ombre. Je sais que cela a l'air incroyable, mais il semblerait que les monstres que j'ai incarnés dans mes films prennent vie. Ils sont ici, dans cette maison, vivants. Vous n'imaginez pas ce que c'est que d'avoir peur d'ouvrir une porte. Ah! Mon look te va plutôt bien. Bon, tant mieux. J'ignore ce qui me fait le plus peur, le fantôme ou vos fans. Oh, ne crains rien. Hier soir, après l'attaque du fantôme, j'ai fignolé mes pièges. Cage de tigre en bambou et sarbacane, c'est mon choix du jour. Mes pièges, Daphné! Oh non, c'est la catastrophe! Pourquoi?